une équipe dont la qualité d'être expérimentée, mais aussi une équipe qui envoie un petit peu le message de Obama 3, retour vers le futur. Nous avons en face de nous, d'une certaine manière, une administration Obama 3. La plupart des responsables qui ont été choisis par Biden ont en effet servi sous l'administration Obama. Le secrétaire d'État était le numéro 2 du département d'État sous Obama. Le secrétaire à la sécurité intérieure était le numéro 2 de son ministère. La secrétaire au Trésor était la présidente de la Banque centrale. Donc des gens compétents qui, pour la plupart, ont servi sous le président Obama. À l'image du président Biden, à l'image de la vice-présidente Harris, nous avons une administration résolument centriste. Jusqu'à maintenant, la gauche démocrate n'y est pas représentée. Et c'est en particulier vrai pour le Trésor, où Wall Street était terrorisée à l'idée de voir arriver la sénatrice Elizabeth Warren, qui les connaît bien et qui a des projets très progressistes à leur encontre. Ce n'est pas le cas, c'est Madame Janet Yellen qui est beaucoup plus centriste. Continuera-t-elle seulement la politique de Barack Obama? Mais il ne faut pas oublier que cette politique a quand même conduit à l'élection de Donald Trump. Ou est-ce que cette nouvelle administration, qui est quand même ressemble à une ancienne, saura inventer les nouvelles politiques économiques, sociales dont a besoin ce pays? Eh bien, c'est l'expérience qui nous le dira, puisque paradoxalement, ça peut être l'administration que nous connaissons le plus en termes de personnes et le moins en termes de politique qu'elle suivra.